taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing in that song. Bon matin tout le monde, on n'est plus le matin comme vous pouvez voir. Il est présentement comme midi 10. Oh, je t'essouffle. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Je suis à Longueuil parce que je travaille à midi et demi. Fait que je vais arriver d'avance. C'est à peu près à 6 minutes à pied du métro Longueuil. Fait que c'est pas mal ça. J'ai dormi chez ma mère aujourd'hui. Ben hier dans le fond. Je ne vous ai pas filmé ce matin, mais je me suis réveillée vers 9h30, puis c'est pas mal ça. Là. J'ai mangé avec ma maman, ma petite soeur. Ma mère est en congé, dans le fond, donc c'est ça. Ah, je suis épuisée. Il fait vraiment chaud. Puis, non, c'est ça, c'est pas agréable. Il fait juste trop chaud. Et j'ai genre une veste. Elle a des trous au moins, mais j'ai une veste. Je suis avec mon amie Alejandra qui est stationne. Puis on est à la Crémière. Donc, il est rendu quelle heure? Il y avait full de trafic. Il est rendu 6h10. Ouais. Allô tout le monde! Donc, il est présentement... Ouh, on est pique! Désolé. On dirait que mes allergies, là, c'est tout le temps en début de saison, genre début, puis à la fin, genre que mon nez me pique. Okay. C'est ça. Il est présentement 1h, ben, 12h59. Puis, ben, je suis maquillée, coiffée, habillée, parce qu'on s'en va dans la famille Anthony. En fait, j'ai son grand-père parce qu'il fait comme une petite fête là, pour la cousine Anthony. Elle a eu 15 ans, 14, 15 ans, je sais pas. En tout cas, fait que c'est ça, je me suis frisé les cheveux. Je me suis maquillée. Puis, c'est pas mal ça. Je me suis habillée en robe maxi. Puis là, j'ai tellement de la misère parce que mon teint, il est tellement bizarre là, comme couleur. Fait que là, j'ai mis le fond de teint. You. De Fit Me Matte and Poreless. Mais là, il était vraiment plus pâle que ma peau. Mais ma peau est pas égale, genre. Fait que c'est ça. C'est bizarre. Puis là, c'est-tu prêt? Yes! On s'en va dîner. Anthony! C'est Pim. Bonjour. Et où qu'on est? Dans le cours de mon grand-père. Ouais. C'est beau, il est comme ça. C'est comme ça. Ouais. A dog, hamburger, c'est le barbecue avec des salades. Okay, on est au Starbucks. L'autre est un sac à dos. Service au volant. Qu'est-ce que t'as pris en tête? Il n'y a pas quatre choses. Allô tout le monde, donc. C'est quoi ça? C'est quoi? Ta face. La sourire de petit gros. Ah, je sais plus. Là, mon nez est rouge. On revient de chez la famille Anthony, chez son grand-père. Puis on est resté dehors tout le long, là. Mais je suis allergique au pollen. Puis il y a beaucoup de fleurs dans sa cour. Puis je suis allergique comme un peu au chien aussi. Puis c'est un gros chien. C'est un labrador. Il y a plein de fleurs. C'est un labrador? Non. Oui. C'est un labrador. Ah, ouais. Il est noir, oui, c'est un labrador. En tout cas, fait que c'est ça. Ah oui, avez-vous vu mon beau collier? C'est un collier que j'ai reçu. Attendez, je vais vous dire le site. C'est labrador, sauf qu'il est un petit peu gras. Oui, c'est pour ça que je vais vous dire le site deux petites secondes parce que j'ai oublié. Mais il a maigri. Ouais, je sais. Bon, c'est www.mla-boutique.com. Puis ça, c'est comme des bijoux faits à la main, puis ils sont full beau, là. C'est comme des pierres, je sais pas si vous voyez. Hein? C'est vrai qu'il te va bien. C'est vrai qu'il me va bien. Il est cute, Anthony. Tu l'aimes. Il me semble que tu l'aimais même pas quand je l'ai reçu. C'est quoi ça? Non? Anthony? Ah, mes yeux brûlent. Il me semble que tu disais que tu l'aimais pas quand je l'ai reçu. Ouais, il était bizarre tout seul, mais comme ça, il va bien. Il a bien avancé. Ouais, c'est bizarre. Anthony, il me peut tendre sur les bijoux, mais il faut le beau. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est ça. Je trouve ça le beau. Puis, c'est ça. Ah oui, ce que je veux dire, c'est genre des pierres. On a mangé un... Ah oui. Ben, là, on s'en va, parce que j'ai dit, Anthony, je vais manger. En fait, c'est parce que... Je recommence. Moi, je voulais aller aux fêtes gourmandes de Laval, parce qu'il y avait les... Geneviève Evrel de Sushi à la maison, là, en tout cas. On doit plus être là, là. Oui, elle était là toute la journée, mais en tout cas, c'est pas grave. Puis tu pouvais prendre des bouchées, genre, de sushi. Puis, oups,
Puis j'ai vu qu'il y avait des churros, puis j'étais comme, j'ai envie de manger ça. Anthony est comme, ben on va à la place, on va aller en acheter. On est à Montréal, on va aller en acheter où? C'est ça. Bélanger, Projet Saint-Hubert. Bélanger, Projet Saint-Hubert, avec du dulce de leche, c'est ça, à l'intérieur. Fait que c'est ça. Puis il était vraiment bon, celui-ci, fait qu'on va aller là, parce que là, il est rendu 7h06. Et moi, c'est du Eagle Brand Bouillie. Ouais, ben, il y a un brun à cause qu'il est bouillie. Ok, on a mangé tantôt, on a mangé quand même vers 4h, puis on a mangé un gâteau, il était vraiment bon. C'était quoi le nom du gâteau? Dead by Chocolate. Dead by Chocolate. C'est une pâtisserie. On était à la pâtisserie Lafrenière. C'était celui-là, la pâtisserie Lafrenière. Ouais. Fait que, en tout cas, je voulais aller, c'est ça, aux fêtes gourmandes, mais genre, j'ai vraiment... Trop d'allergies. Vraiment mes allergies, mon nez pique, fait que c'est pas bien, super. Alors, on va pas y aller. Je suis déçue, par exemple. Mais, c'est ça, fait que là, on s'en va là-bas. Tu vas être contente quand tu vas manger ton churros. C'est sûr, mais j'aime. Boire du Starbucks, manger des churros. Ouais, on vient d'aller chercher du Starbucks parce que proche de ton grand-père, il y avait un Starbucks. Fait que j'ai pris un petit thé à la pêche et à la limonade. C'est bon. En ce moment, c'est déception. Déception, déception, déception. Tu veux dire pourquoi, Anthony? Elle a pas eu ses churros. Non, je les ai pas eu parce que ça fermait à 7 heures. Oh, c'est quoi l'idée de fermer à 7h un samedi? C'est un restaurant épicerie. Ben, restaurant puis une section épicerie, c'est ça? T'as fermé à 7h. Un samedi. Il y a une partie restaurant. Demain, il ferme à 6h. Demain, il ferme à 6. Mais un samedi, quand j'ai pas eu de chou. Ouais. T'en étais là à 7h30. Ben, c'est ça. Je suis vraiment déçue. Je veux manger des céleris avec des céleris? Quelle consolation? Des céleris. Claire, t'as dit, je vais te couper les morceaux. C'est plus santé. Ben, la tempête, en fait, c'est non, pas là. Santé puisqu'il n'y a pas vraiment de nutriments dans le céleri, mais c'est moins mauvais, disons. Déception. Je voulais vous dire, j'ai regardé plein d'informations sur le iPhone, ben, le prochain iPhone qui sort, qui devrait être le iPhone 6S. Là. Donc, moi, en fait, là, j'ai le iPhone 5 depuis qu'il est sorti. Là, comme quand il est sorti, ça sort, il l'annonce fin septembre, puis il sort genre. Non, il l'annonce genre vers le 20 septembre, puis ça sort fin septembre. Ça sort toujours vers octobre, début octobre. Fin septembre, début octobre, là, en tout cas. Moi, l'année pas. Moi, j'ai eu. Tu vas l'avoir en novembre, tu ben, c'est ça, je veux dire, je l'avais eu en novembre. Tu as surtout précommandé pendant un mois, là, puis tu n'en as pas. Je l'avais acheté en novembre. Les petits Apple fanboys qui prend le 6, le 6S, le 6C, le 6. Non, mais moi, il a vraiment eu son utilisation, mon cellulaire. Je l'ai pris. Elle a le 5 depuis que le 5 est sorti. Le 5 depuis qu'il est sorti. Comme, c'est ça, je l'ai acheté genre en novembre au Apple Store. Dans le fond, je l'avais juste. Je l'ai acheté. Dans le fond, j'ai pas pris de. Il n'y a rien de changé le sel environ 3 ans. Il est off longtemps. Ouais, fait que là, j'étais. Moi, je change aux années, mais parce que je l'ai pété. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais dû pour un nouveau iPhone. Puis là, j'ai vraiment hâte que le nouveau sorte. Donc, parce que je vais l'avoir. Mais comme j'ai réalisé que j'ai duré vraiment longtemps, ben, ça vaut peut-être la peine que je prenne un contrat parce que. Ça vaut la peine pas avec vous deux. Ben, c'est ça. Ça vaut peut-être la peine que je prenne un contrat parce que, anyway, je le garde longtemps. Comme... En plus, tu sais, avec V2-3, à cause qu'on est déjà abonné avec eux, tu as 5$ sur ton forfait. Ah bon, mais c'est ça, fait que je vais voir. Puis j'ai lu que supposément qu'il y aurait un rose gold, genre comme la Apple Watch. C'est ça le nom? Mais, en fait, va pour celui qui a le meilleur contrat quand tu vas aller. Moi j'avais un bon contrat, c'est pour ça que je savais d'autres ans, déjà. Ouais, mais je vais regarder. Parce que là, je suis avec Kudu, puis j'ai vraiment un bon forfait. Mais en tout cas, fait que. Ouais, tout est limité sauf Internet 2. Moi j'ai Internet 6. Ouais, mais toi, t'as genre le forfait, là. Fait que, en tout cas, je veux le rose gold. Fait que ça me dérange pas d'attendre parce que, à ce qui paraît, s'il sort, ben ça va être la couleur qui va partir le plus. C'est comme quand l'or est sorti, ben c'était l'or qui se vendait plus. De toute façon, en novembre, décembre, il y a souvent des bons contrats aussi, ouais. Noël. Mais je veux cette couleur-là. Je parle pas la couleur, je pense. Ouais, je sais, mais je veux dire que s'il sort vraiment le rose gold, ça va être genre la couleur qui se vend plus. Non. Oui.
c'est ça que ça disait. Ça s'appelle le klaxon en plus. Oui, parce que genre, aucun gars va prendre le rose gold. Il y a autant de gars qui filles qui prennent des iPhones. En tout cas, fait que j'espère que le rose gold va sortir. Comme c'est pas la couleur qui va en plus, c'est la couleur qui va se produire le moins et elle va se vendre. C'est pour ça qu'il parle en tout cas. Non, or aussi c'était beau. Mais non, l'odeur. Hein. Genre l'odeur de. Ouais. L'odeur de usine de poulet. En tout cas, fait que là on arrive bientôt à la maison. Bon, si vous entendez Anthony derrière, c'est parce que il joue puis il est sur Skype en même temps, fait que. Et il parle fort. En tout cas, donc, je voulais vous dire, là, parce que. En tout cas, je trouve ça. Ben, en tout cas, bref, je vais dire ce que je veux dire. Là. Sur mes derniers vlogs, ou sur des photos Instagram, plein de photos, plein de vidéos, je me fais demander si je suis enceinte, OK? Je trouve ça. Genre, je sais, je partage toute ma. Comme pas mal toute ma vie avec vous, mais. Genre, que je sois. Comme là, je dis pas que je suis enceinte, puis je dis pas que je suis pas enceinte. Mais peu importe que je le serai ou que je le suis pas, vous savez que de toute façon, on va essayer d'avoir un bébé, moi et Anthony. Donc, encore là, je dis pas que je le suis, je vous dis pas que je le suis pas, mais vous le savez, genre, parce que j'ai fait une fausse couche début juin. Donc, puis je me fais demander, genre, sur plein de vidéos, est-ce que t'es enceinte? Est-ce que t'es enceinte? Est-ce que t'es enceinte? Il me semble que c'est clair que si je l'ai pas dit, comme supposons que je serais enceinte, là, si je l'ai pas dit dans une vidéo, c'est parce que j'ai pas envie de le dire tout de suite. Et que c'est sûr que je vais pas vous répondre oui en commentaire juste comme ça, si je suis enceinte, par exemple. Il me semble, genre, en tout cas, c'est juste parce que je reçois vraiment, comme, à chaque jour, là, je reçois des commentaires pour me demander si je suis enceinte, mais écoutez, genre, si... Je l'ai pas dit dans une vidéo, c'est que genre, je veux pas le dire pour l'instant. Si je suis enceinte, encore là, je vous dis pas que je suis enceinte. Là. Je suis juste en train de vous dire que genre, tant que j'en ai pas parlé à une vidéo, je répondrai pas à un commentaire. Ah oui, je suis enceinte. C'est pas comme ça que. C'est pas comme ça que ça marche, tu sais. Puis encore là, comme je vous dis, je suis pas en train de dire que je suis enceinte. Là. Mais quand je le serai. Tant que je ne l'ai pas dit dans une vidéo, c'est sûr que je ne répondrai pas oui à votre question parce que comme, c'est logique que je vais juste le dire quand je vais être prête à le dire. Puis, ben, y en a, c'est pas fatigant, là. C'est juste que je comprends que vous êtes curieux puis que vous voulez savoir puis que vous avez hâte de savoir, mais dites-vous que c'est assez logique que si je ne l'ai pas dit dans la vidéo, je ne vais pas juste répondre oui à un commentaire. Là. Puis, il y en a qui me. Comme. Soyez pas offensés que je réponde pas à votre commentaire. Que je le sois ou que je le sois pas. C'est juste que. T'sais, comprenez que si je l'ai pas dit en vidéo, c'est parce que ça me tente pas de le dire pour l'instant. Puis. Que je sois enceinte ou que je le sois pas, on essaie d'en avoir un. Donc, je pourrais être enceinte. Comprenez? Donc. C'est ça. Tout ça pour vous dire, c'est parce que je reçois plein de commentaires à chaque jour. Puis même sur Instagram, ou genre des. Du moins, comme. Il y en a qui essaient de deviner ou qui disent ah, parce que tu fais plus ça, genre ça veut dire que t'es enceinte. Comme ceux qui disent ah, tu fais des vlogs courts alors t'es enceinte. Non, mais là, tu vas pas acheter des vlogs plus courts qu'avant que je suis enceinte. Puis je sais que les vlogs ont été pas mal plus courts, mais vraiment, mais. Comme si j'ai rien. J'ai filmé comme à chaque jour, là, pendant mes vacances. Et... Il y a des fois que j'ai rien à dire, genre, donc c'est ça. Donc tout ça pour dire, mais c'est pas méchant vers vous là, que je vous dis comme pourquoi vous me dites, mais c'est juste pour vous comprenez que comme c'est logique que même si je serais enceinte, genre, je le dirais pas oui en commentaire parce que je vais le dire quand je suis prête et je vais le dire en vidéo. Donc n'attendez pas à ce que je réponde à vos commentaires si vous me posez ça comme question parce que je répondrai pas. Désolée. Donc, c'est pas mal ça. Je vais juste vous dire ça parce que là, genre... Attendez, je vais m'attacher. Je vais me déranger. En tout cas, parce que j'ai plein de commentaires puis là, je veux pas vous penser que je vous réponds pas, là. C'est juste pour ça. Parce que là, j'ai tout le temps les mêmes commentaires. Fait que c'est un petit peu... Je me fais tout le temps demander si je suis enceinte. Fait que... Écoutez, c'est pour ça que je vous réponds pas. Fait que... C'est ça. Oh, c'est fatigant. Mes cheveux. Donc... Sur ce, je vous dis bonne nuit et on se revoit demain!